Good morning, allez, Iden, les sous aujourd'hui, le Nishmat, Moulvi, Rubishmal, Mishlo, Mazalman, Shlomo, Binyamin, Ben Mazal, et Moshe, Michael, Ben Machlouf, et Aline, Machla, Rachel, ainsi que l'Ofat, Sarah, Bat, Beti, Rivka, et Rafael, Zouloun, Ben Chayam, Alia, Betor, Shah, Chol, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contre 45 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Roulin, Perek, Aleph, Mishnah, Bet, Ashochet, Bemagal, Yad, Betzor, Uvekane, Shritato, Kshera. הכל שוחטין, ולעולם שוחטין, ובכל שוחטין, חוץ ממגל קציר, והמגרה, והמגרה, והשיניים, והציפורן, מפני שהן חונקים. השוחט במגל קציר, בדרך הליכתה, בית שמאי פוסלין, ובית הלל מכשירין, ואם החליקו שיניה, הרי היא כסכין. כמו שרתחין עולה הלכות שחיטה. Je vous jette d'abord, je pose l'idée générale. Le principe de la shrita, il est de prendre un couteau bien aiguisé et de trancher les simanim. Il ne faut pas les écraser, il ne faut pas les arracher, parce que si je prenais, dans notre Mishnah, ce qu'on va parler beaucoup, ça va être un principe qui va apparaître surtout dans la deuxième partie de la Mishnah, en fait. On va parler, par exemple, de problème de faire une shrita avec une scie. Parce qu'on va faire une shrita avec une scie, on ne va pas trancher les simanim de manière harmonieuse. La Torah a insisté de faire justement ce geste avec un couteau bien aiguisé. Or, si vous allez prendre une scie qui a des dents, donc vous allez nécessairement arracher les simanim à chaque fois, d'accord? Vous allez avoir plein de dents. Le principe de la scie, c'est que ça arrache. Il y a des dents qui vont dans tous les sens, comme des dents de requin, comme ça, quand ça fait que ça on coupe le bois parce qu'on arrache des petits copeaux. D'accord? Donc c'est le même principe. Ça arrache, et donc c'est une shrita psula. C'est le principe qu'on va voir dans toute la Mishnah. On commence d'abord la Mishnah avec des outils qui sont permis a posteriori pour égorger, pour faire l'abattage rituel, la shrita. Ashochet bemagal yad. Celui qui va égorger, il va faire la shrita avec un magal yad, une faucille. Betzor avec un... littéralement un rocher, une pierre bien aiguisée. Au bécané, avec un roseau, de nouveau aussi bien aiguisé. On va apporter plus de précision ensuite, mais pour le moment on traduit en avance. Et bien dans tous ces cas de figure, shritato kshera. Dans tous ces cas de figure, à la shrita, elle est validée. La Mishnah utilise un terme d'a posteriori. Elle nous a pas dit shochatin bemagalia, donc on égorge a priori comme ça. La Torah nous a dit, si tu l'as fait de cette manière, c'est kasher. Donc, ça laisse entendre que c'est a posteriori. Pourquoi c'est a posteriori? Tout d'abord, Magaliad, chacun il a sa raison en fait. Magaliad, je vous ai expliqué, c'est le principe de la faucille manuelle. Elle, à l'époque en tout cas, il y avait deux côtés. Ouais, vous savez comment ça se passe. Il y a le principe d'abord, ces outils, la faucille, elle sert à faucher le blé. Pour faucher le blé, alors je ne sais pas pourquoi spécialement, comment est-ce qu'on l'utilise précisément. J'imagine qu'il doit y avoir des gestes assez circulaires qui font qu'on avance dans un sens et dans l'autre. En tout cas, il y a dans un sens, ouais, c'est comme le symbole communiste, là, c'était comme ça aussi avec le marteau et la faucille. Il y avait toujours la faucille, elle est arrondie, c'est un couteau arrondi. Apparemment, ça permet de mieux attraper et de faucher le blé comme ça. Je ne sais pas exactement dans quelle position ils le font, est-ce qu'ils sont debout, est-ce qu'ils sont à quatre pattes. En tout cas, il est courbé. Maintenant, dans la Magaliad, ce que la Mishnah explique, elle rapporte à Magaliad, il y a donc deux tranchants. Vous voyez, c'est un couteau, ça tranche. On peut trancher par l'intérieur comme par l'extérieur. Alors, d'un des deux côtés, c'est lisse. De l'autre côté, c'est avec des dents. D'accord? Eh bien, la Mishnah vient et m'enseigne, elle me dit, tu sais, tu peux utiliser ce couteau qui est d'un côté lisse et de l'autre côté qui a des dents. Tu peux utiliser le couteau lisse pour égorger, pour faire la shrita. A posteriori, c'est permis. A priori, on ne te permet pas d'utiliser un tel couteau de peur que tu veux l'utiliser de l'autre couteau, de l'autre côté. Même si, entre parenthèses, ça arrondit, eh ben, j'imagine qu'en fait, on va faire le geste avec l'animal de lui... On va lui quicker la tête. Ouais. Vous prenez imaginez que c'est un petit poulet. Vous l'attrapez, vous prenez la faucille, vous le faites tourner comme ça. Ça tranche, c'est lisse, on peut le faire. Bien que de l'autre côté, il y ait des dents, a posteriori, on ne va pas invalider la shrita en disant que je vais t'interdire de le faire avec la face interne qui est lisse.
de peur que tu vas faire avec la face externe. Avec la face externe qui a des dents. S'il y a des dents, c'est pas soul, ça va être la deuxième partie de la Mishnah. D'accord ? C'est le principe avec le Magaliad. Betzor, on parle avec un rocher. C'est pas la peine d'utiliser du métal nécessairement. On peut le faire aussi en pierre. On peut faire un couteau en pierre. Et même a priori. Alors pourquoi la Mishnah utilise aussi un langage, une expression d'a posteriori ? Eh bien, en réalité, le canet aussi, c'est la même chose. Avec le roseau, comme ça on traite les deux en même temps, ça nous permet d'aller plus vite. Le canet aussi, c'est un roseau qu'on a aiguisé. La Gemara explique qu'en réalité, il n'y a aucun problème de les prendre tels quels. Pour le canet spécialement, pour le roseau, on apprendra une petite précision ensuite. Mais pour le moment, il n'y a pas de problème en l'état de l'utiliser, de faire un outil en pierre. Aucun problème. D'ailleurs, quand j'ai cherché un petit peu les outils de l'époque sur Wikipédia, j'ai vu que à une époque, je ne sais pas quand exactement, on faisait justement la faucille avec du silex. Il n'y a aucun problème, il khati, de trancher avec de la pierre. Comme d'ailleurs, Tzipora, dans la Torah, elle a fait le Brit Mila avec de la pierre aussi. Et ça tranche très bien. Le problème là, pourquoi la Mishnah l'exprime, elle utilise une expression de posteriori ? Parce qu'en fait, on parle d'un cas où il a en fait replanté par terre. Il y a une halakha particulière, qui a pris d'ailleurs d'Avraham Avinu, et bien Ikar est à ma chelet. Là-bas, il y a écrit qu'il faut nécessairement, on ne va pas entrer dans les détails, sinon c'est vraiment je trouve, alors, il faut nécessairement un outil qu'on peut déplacer, mobile. Et pas, alors imaginez qu'on va prendre un rocher qui est encore par terre, ou un roseau qui est par terre, et qu'on va l'aiguiser parfaitement, mais il est resté planté par terre à son état naturel. Et je vais prendre mon poulet, et je vais aiguiser donc le rocher planté par terre, je vais prendre le poulet et je vais le faire monter comme ça, le long, pour lui faire la shrita. En théorie, la shrita, elle est parfaite, avec un seul problème. C'est que tu dois utiliser un couteau mobile, et pas quelque chose d'immobilier. D'accord ? Pas quelque chose qui est fixé au sol. Alors maintenant, la Mishnah a utilisé une expression d'a posteriori pour me dire que sache que si tu as aiguisé la pierre ou le roseau, et quand ils étaient pour le moment mobiles, et puis après tu les as plantés par terre, tu les as remis par terre, tu les as fixés au sol, et seulement après tu as égorgé, et bien là, on va te permettre la shrita a posteriori, parce qu'une fois que la chose elle a été déplaçable, quand tu la remets par terre, elle ne devient pas une partie intégrante du sol. C'est plus considéré comme un mechoubar la karka, comme quelque chose qui est fixé au sol. Certes, il est fixé concrètement, mais il n'a pas un statut d'immobilier. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on a utilisé l'expression d'a posteriori. Ensuite, on continue. Hakol shochatin. Tous sont aptes à égorger. Vous allez me dire, on a déjà appris dans la première partie. Attendez, d'abord je traduis la phrase. Hakol shochatin. Tous sont aptes à égorger, à faire la shrita. Ou les olam shochatin. On peut faire à n'importe quel moment de la journée. On peut faire aussi la shrita. On n'est pas limité le jour ou la nuit. Ou bakol shochatin. Et avec tout, on pourra faire la shrita avec n'importe quel matériau. Sauf chutz, sauf mi magal katsir, la faux. Cette fois-ci, c'est pas la faucille la petite, mais c'est la plus grande avec laquelle on moissonne, on fauche le blé concrètement de manière beaucoup plus industrielle, quoi. Veha megera, et avec la scie. Veha shinaim, et avec des dents, c'est-à-dire on a pris une mâchoire. Je traduis d'abord et j'expliquerai plus, mais pour l'instant, on a pris une mâchoire de vache, ou je sais pas, d'animal en tout cas. On l'a pris, on l'a reçu dans la mâchoire, on a voulu fabriquer un couteau avec toutes les dents qui étaient là. On les a alignés, on les a bien aiguisés, et puis on a utilisé ça pour le faire. Et la tzipore, nous encore avec son ongle. Ouais, on peut le faire avec les poulets, comme on avait appris dans Menachot, dans Zadachim, qu'on faisait d'ailleurs les poulets au Bétamikdash, comme ça. La Melika. Donc, en tout cas, ici, c'est défendu de le faire. Pourquoi Mipene Shehen Chonkin ? Parce qu'ils étouffent. Et on reprend en expliquant chaque expression. Hakol Shochatim, tous sont aptes à égorger. Vous allez me dire, on a déjà appris tout ça dans la Mishnah Aleph. On a déjà expliqué qui est permis, qui est interdit. On avait dit sauf le Chereshut avec Adan, et même posteriori, on pourrait le permettre. Avec ce qu'on goy, on avait déjà tout appris dans la Mishnah Aleph. Pourquoi tu as besoin de me reprendre cette fois-ci le Hakol Shochatim, tous sont aptes à faire la Shrita ? Eh bien, le Bar Tanoura rallonge pour nous rapporter que on est venu inclure une halakha. Que même si on a un Israël Moumar, un juif qui n'est plus pratiquant, qui n'est pas pratiquant, malheureusement, mais qui ne fait pas de la Vodazara et qui fait encore le Shabbat. D'accord ? Et qu'il avait un couteau, nous on a vérifié le couteau avant la Shrita, il était lisse, sans aucune entaille, et après la Shrita, une fois qu'il a fini la Shrita, aussi on a vérifié le couteau qu'il était bien. Maintenant, pendant l'acte de la Shrita, il est rentré dans une chambre sans que personne ne le voie, il est ressorti après, il nous dit,
Imaginez donc, je le mets en scène. J'ai pris un couteau, je l'ai vérifié parfaitement, c'est très lisse. Moi, je vous ai déjà raconté dans la pièce précédente, moi et le sang, et les... c'est un peu délicat, c'est un peu dur pour moi. J'ai pris un boucher, pas tellement, pas pratiquant, mais qui n'est pas Mechalel Shabbat, et qui n'est pas, qui n'est pas Mechalel Shabbat de Faresia. Chez lui, à la maison, il allume un peu la télé, malheureusement. Mais en tout cas, en public, il va à la synagogue, il se conduit comme un juif correct. D'accord ? Et il ne fait pas de Avodah Zarah, bien évidemment. Donc, maintenant, lui, il est bougé, il n'a pas de problème avec le sang. Ouais, j'avais pas le choix, j'étais seul avec lui, j'avais besoin de manger du poulet. Je lui ai donné le couteau. J'ai vérifié que le couteau, il était parfaitement bien lisse. Et il a pris l'animal, il est rentré dans une pièce, et je ne l'ai pas vu à l'œuvre. Il ressort 30 secondes après, il me dit, tiens ton couteau, tiens ton poulet. Je vois que la tête du poulet, elle était tranchée comme il faut. Et je vérifie que le couteau, il est encore lisse. Eh bien, la viande sera cachère. Je ne vais pas soupçonner de l'avoir tué autrement, d'avoir mal fait, comme vous savez, comme on avait pris, quand on avait commencé à évoquer dans la chapitre précédente. Je ne vais pas le soupçonner de peut-être d'avoir commencé à trancher et puis finalement de s'être arrêté après d'avoir continué, qui est une chose qui invalide l'animal. D'accord ? On ne va pas le soupçonner de mal faire les choses. Par contre, si c'est un mauvais juif au point où il est Mechalel Shabbat Befaresia, il transgresse le Shabbat en public, eh bien, il n'est plus crédible dans la Torah, il a un statut de Moumar. D'accord ? Maintenant, on rallonge encore, mais on peut continuer. Oléolam Shochatin. À n'importe quel moment de la journée, on peut égorger, même la nuit, à condition d'avoir une torche, quelque chose qui éclaire bien. Et encore, le Barthénois rapporte encore deux autres situations intéressantes. Même si on le voit qu'il égorge, on en reparlera plus tard, même si on le voit qu'il égorge, par exemple, sur son toit, eh bien, on validera, on ne dira pas qu'il est peut-être en train d'égorger pour les étoiles, de faire un sacrifice de Avodah Zarah. On ne va pas soupçonner un juif, même. On parle d'un événement que je ne connais pas la personne. Il est un juif prétendu être cachère, qui se conduit d'un petit peu, de manière un petit peu étrange. Il monte sur le toit, il égorge, puis après il a laissé l'animal, il est parti et il nous a laissé une lettre, vous pouvez manger le poulet. Est-ce que je mange ou je ne mange pas? Est-ce que je soupçonne qu'il a mal fait ou non? Et bien, le monsieur enseigne que non, c'est cachère, même si l'avait égorgé sur le toit, ne va pas le soupçonner d'éventuellement d'avoir fait de la Avodah Zarah, ou encore la même chose qu'il a fait sur la, dans la mer. Il y avait une mère agitée, lui est parti sur le pont, il a égorgé l'animal, et peut-être qu'il est en train d'égorger sur l'ange protecteur de la mère, en son honneur, il est en train de faire de la Avodah Zarah, le coco. Non, la Mishnah enseigne que c'est permis. Ou Bakol Shochatin, avec tous les matériaux aussi, on peut égorger, même avec du verre, c'est assez tranchant, et bien on a fait un beau couteau en verre, j'imagine même en plastique, ça n'a pas été précisé, mais c'est sûr que c'est la même chose, eh bien, on pourra, sans aucun problème, égorger avec ce que la Mishnah m'enseigne. Une précision avec le roseau, comme ce qu'on avait dit au début de la Mishnah, qu'on permet le roseau, c'est vrai, mais là, alors je ne sais pas comment ça fonctionne le roseau, mais apparemment, il y a ce qu'on appelle une krumiyot, shelkané et le kané. Il y a le roseau lui-même, et apparemment, j'imagine qu'il y a une écorce au-dessus, je ne sais pas exactement à quelle écorce on fait référence. En tout cas, juste, je donne le principe, après vous l'adaptez à votre manière. Quand la Mishnah permet le roseau, a posteriori, c'est que à condition qu'on fasse. Il y a avec le roseau classique, si vous allez prendre un roseau classique, comme ce que nous on connaît le roseau, vous le coupez en deux, vous allez commencer à l'aiguiser, vous allez avoir un problème. C'est que certes, il va être lisse, mais il va y avoir à côté aussi des petits pics. Naturellement, le roseau il est composé de plusieurs fibres, comme ça, très sèches et dures. Et puis, donc, même si vous allez l'aiguiser, lorsque vous allez vouloir égorger, vous risquez d'avoir un petit pic qui va s'enfoncer dans l'épaisseur de l'animal, donc va le rendre invalide. Donc quand on permet de gorger avec un canet, c'est que à condition qu'on va utiliser, alors je ne sais pas exactement avec quelle pellicule externe du roseau qui est lisse sans laisser justement ces petits pics. D'accord ? C'est le président de Vartanora, je suis fidèle au texte, je vous le rapporte, je n'ai pas tellement compris comment ça fonctionne. Malheureusement, on est trop urbain à notre époque, on ne vit plus avec toute la nature, les animaux. En tout cas, on continue. Donc, on a dit, ou bakol shortin avec tout, tu pourrais égorger shrout mimagal katsir, sauf avec la faux. Alors, la faux, elle, en fait, en réalité, on parle, le principe de mimagal katsir, vea megera, vea shinaim, c'est le même principe pour les trois, ce sont des couteaux qui ont des pgimotes. Elles ont des dents. D'accord ? Le problème de la dent, comme ce qu'on a introduit dans la Mishnah, c'est que ça arrache le siman. C'est ce qu'on appelle dans la Mishnah que en chonkim. Il y a marqué dans en chotrim. Ils ne coupent pas, mais ils arrachent. Comme ça, dans le Barthénois, il nous dit.
à cause des bgimot, à cause des dents, ça fait que ça arrache. Ouais, imaginez que je vais devoir passer aux déjà un couteau qui a une forme comme ça, comme mes doigts, où il y a des, justement des bosses, donc des dents. Et bien quand je vais vouloir passer, dès qu'il va y avoir la nouvelle dent qui va arriver pour trancher, au lieu de continuer harmonieusement l'action de couper que faisait l'autre, il va se mettre à arracher de nouveau. D'accord ? Et donc, on avait trois cas de figure. Magal Katsir, la faux, apparemment, il y avait des dents des deux côtés dans celle-ci. Megera, on parle d'un nouveau, d'un couteau qui a de deux côtés, il a des dents. Et Shinaim, je dis, il a pris une mâchoire d'animal. Aujourd'hui, on vit avec le plastique et la vie, elle est devenue très facile. Mais quand vous voyez dans la chasse qu'on parle de choses qu'ils récupéraient chaque petit ustensile pour en continuer, c'était un petit peu logique parce qu'ils n'avaient pas la même facilité de fabriquer des ustensiles. Donc tout était recyclable, tout était utilisable. Donc quand j'égorgeais un animal, eh bien, si je pouvais prendre sa mâchoire et en faire quelque chose pour en faire un beau couteau, eh bien, je le faisais, quoi. Donc, à l'époque, on pouvait utiliser, ils utilisaient la mâchoire, les chinaïm, les dents. Ils prenaient une part de la mâchoire, par exemple, de l'animal, c'était assez large. Et puis, ils se débrouillent pour bien l'aligner et de tailler les dents comme ça. Le problème, c'est qu'entre les dents, il y a des guillemots, il y a des entailles. Et donc, ça va faire que de nouveau, on va nécessairement égorger, on va arracher lorsqu'on va couper. Vehatsiporen, cette fois-ci, on parle de l'ongle. L'ongle, on peut l'aiguiser et on peut égorger avec, il n'y a aucun problème. Question, qualité de shrita. Pour l'ongle spécialement, il n'est pas justifié parce que, à cause de chonkin, parce qu'ils arrachent les simanim, parce qu'ils étouffent littéralement, parce qu'ils arrachent les simanim. Le Bartonan précise que non, pour l'ongle spécialement, le problème, il est différent. Il est qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit talouche, il faut que ce soit un ustensile déplaçable. Pas forcément un ustensile, mais quelque chose de mobile, pas un dôme, d'accord ? Ça s'appelle Mechoubar, il nous rapporte. Ensuite, on continue à la fin de la Mishnah maintenant. Ashochet Memagal Katsir, je vais vous traduire, vous allez voir que ça contredit tout ce qu'on a étudié, et puis on va expliquer ensuite. Ashochet Memagal Katsir, celui qui fait la shrita, qui égorge l'animal, donc il abat l'animal, avec le Magal Katsir, avec la faux. Bederech Alichata, cette fois-ci, il fait attention à égorger que pendant qu'il avance, et pas quand il revient. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les dents, mais les dents, elles sont toutes orientées dans un sens. Et puis, concrètement, lorsque je vais, il y a le va et vient, lorsque je vais dans un sens, eh bien, toutes les dents, j'ai la possibilité d'égorger de manière harmonieuse, que ça va trancher très proprement, sans arracher. Le problème, il va arriver quand je vais vouloir ramener le couteau, que là, cette fois-ci, je vais arracher. Alors, dans les scies, aussi, je ne sais pas si c'est les scies à métaux ou les scies de bois, le principe, les dents sont alignées aussi de la sorte où, si on va dans un sens, ça n'arrache pas, et c'est quand on revient que ça arrache. Ça nous permet de donner plus de punch dans l'action. Quand on, dans un sens, on n'arrache pas vraiment, ça commence à préparer le terrain, puis dans l'autre sens, ça arrache. D'accord ? Eh bien, la Mishnah m'enseigne que lorsque tu vas faire dans le sens de l'aller, par exemple, supposons que dans le sens où on commence à faire le va et pas le vient, c'est encore de manière harmonieuse, puisqu'on n'est pas confronté avec les petites bosses des dents dans ce sens-là. Ouais. Donc en théorie, l'animal, il devrait être cachère, il n'est pas très fin. Eh bien, la Mishnah m'enseigne que Bet Shammai Poslin, Bet Shammai invalide, tandis que Bet Hillel marcherim. Bet Hillel vont permettre. Et on va expliquer c'est quoi permettre exactement. Et je finis d'abord la Mishnah, Avimé Chelikou Shinia. Si toutefois, on a lissé, aplani les dents, c'est-à-dire qu'on a pris en fait le couteau, il y avait toutes ses dents, puis on l'a bien aiguisé, de manière à ce qu'il n'y ait plus de dents, eh bien, alors il n'y a aucun problème, Arei Kesakin, c'est devenu comme un véritable couteau qui est permis, qu'on peut égorger avec, sans qu'on fasse la shrita, sans aucun problème. Le Bartonon nous explique qu'en réalité, ça contredit ce qu'on a dit avant, juste auparavant, on nous a dit que lorsque tu fais la shrita avec le Magal Katsir, avec la faux, que la shrita elle est invalidée, et puis là tu m'enseignes que Bethilel Marchirin, Bethilel permette. En réalité, on ne parle plus de permettre à la consommation. Consommation, c'est interdit, comme on a dit avant. Là, on est en train de parler, est-ce que concrètement, a posteriori, la shrita, elle va lever l'interdit de Touma et de Tahara. C'est-à-dire, on a déjà évoqué qu'un animal qui est mort sans shrita, eh bien, il est né vela, il véhicule une impureté. Tandis que s'il a été égorgé, il ne véhicule plus d'impureté. S'il a été égorgé, selon les règles de la shrita, alors il ne véhicule plus l'impureté.
D'où la question maintenant, lorsque je vais prendre ce couteau qui a des dents, mais que je vais utiliser le couteau de manière à ce que je ne vais pas être confronté au problème des dents qui arrachent au lieu de trancher proprement. Est-ce qu'a posteriori, je considère l'animal qu'il est très fat ou bien je vais dire non, c'est vrai que tu as mal fait et qu'on ne va pas te permettre de manger. Mais concrètement, l'animal, il a été égorgé et du point de vue de la Torah comme il se doit, de ce fait, il ne véhicule plus l'impureté. C'est ça la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai interdisent, et tu dis non, on t'a dit que c'est invalidé, donc si tu as égorgé avec, même si tu l'as fait de manière propre, l'animal sera une névéla complètement et il véhicule l'impureté au moins mis des rabbanan. Au Beth Hillel marché, tandis que Beth Hillel vont dire non, ça ne va pas véhiculer l'impureté si concrètement ça a été égorgé comme il se doit, alors on va t'interdire de consommer. Même principe, le Bartanora nous rapporte encore le même principe encore si vous avez un couteau. Je vous ai dit, le couteau il doit être très lisse. S'il y a une guima dans le couteau, donc s'il a eu une entaille, alors le couteau maintenant il est devenu, on ne peut plus faire la chrita avec. Parce que lorsqu'on arrive avec à l'endroit de cette entaille, alors on va voir pendant un instant, on va arrêter de trancher pour qu'ensuite l'autre bout du couteau va arracher le siman. D'accord ? Donc ça, c'est assourd, on ne pourra plus, on ne peut pas faire la chrita avec un couteau qui a une entaille. Eh bien, on a la même discussion qui arrive encore. Lorsqu'on va faire la chrita en utilisant le couteau, mais que dans la partie où on ne veut pas être confronté à l'entaille. Est-ce que c'est permis ou non ? C'est interdit a posteriori. Même a posteriori, on aura la discussion entre Béthiam et Béthiel, est-ce qu'on va impurifier ou non ? Si on a un couteau qui a une entaille et qu'on doit l'utiliser, qu'on n'a pas la possibilité de l'aiguiser, ouais, imaginez quelqu'un qui se retrouve, je ne sais pas où, même à Auschwitz, d'accord, ils avaient besoin de manger, et quelqu'un il voulait manger cachère. Il y avait des tzadikim qui faisaient attention encore à manger cachère, même dans les camps. Et tant bien que mal, il a fait avec les moyens du bord, il a dû se créer un couteau, et le couteau il a une entaille. Est-ce qu'il peut utiliser ce couteau ? Eh bien, la solution elle est que quoi ? Tu prends un bout de linge, tu enveloppes, tu entoures l'endroit où il y a la bgima et tu utilises le reste du couteau pour égorger, et là, ce sera permis. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de slachakol, tout, c'est là.